Seigneur, Jesus, ça c'est encore le mariage. Ça c'est le mariage. Yeah, mon frère, voilà le mariage de Davido après mariage. On balait l'argent. Donc c'est avec le balai qu'on ramasse l'argent. Seigneur Jésus, dont la fête qu'on disait que les pauvres deviendront de plus en plus pauvres et les riches vont s'enrichir de plus en plus. Cela était vrai. Voilà la preuve. On dit que quelqu'un est milliardaire, fils d'un milliardaire. On porte encore les milliards, on vient verser sur les milliards. Adama, voilà le mariage. Certains disent que le mariage ici, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu un mariage pareil. Moi, c'est ma toute première. Ah! Non, attends. Qui a déjà fait ce mariage ici, même en Afrique? Non, même chez le blanc, je n'ai pas encore vu un mariage avec le genre de parentage où on balaie l'argent au sol. C'est marrant avec le balai. Boum! Hey! Les gars viennent faire les défis d'argent avec les paquets d'argent, mon frère. Vous ont manqué de l'argent sur l'argent. Pendant ce temps, d'autres même dorment sans manger. Ah, bro! Non, pardon, les filles, ne regardez pas trop ça. Parce que vous regardez déjà des mariages ici, vous risquerez de rester femme autoritaire ou femme indépendante. Pardon, ne regardez pas le genre ici. Non, vraiment. Mariage. Les gars, écoutez ce qui s'est passé. Écoutez attentivement. Les rumeurs racontent que même ce matin, Davido a eu plus de 2 milliards à son mariage. Boum, regardez, on balait l'argent avec le balai. J'ai dit, on balait l'argent. Donc, tellement le paroutage a été énorme qu'on n'a même pas pu ramasser l'argent le soir de la fête. C'est le matin, vous-même, regardez les paquets d'argent. On dit que ça, le paquet là, c'est au moins 250 millions. Regardez, on balait l'argent. Et ce n'est pas le Naira, je vous préviens. On ne paroutait pas le Naira là-bas. Parce que tout le monde connaît que non. Vous connaissez comme moi que le Naira ne vaut rien, ne vaut presque rien. J'ai dit, on balait l'argent. Regardez le sac là. Regardez l'argent qu'on va sortir dans le sac là. On dit, ça, le paquet là, c'est 250 millions. De dollars, pas les francs ou bien le naira. On n'avait pas de naira là-bas. On ne va offrir que les 100 dollars. Non, Davido, tu as fait fort. Le mariage du siècle. Désolé si tout ce temps-là, je n'ai pas pu parler de ce mariage parce qu'il y avait un sale site qui avait mis les droits d'auteur sur les vidéos. Ce qui fait que nous, les autres blogueurs, nous, on ne pouvait pas poster parce que si on postait là, ça partait tout chez lui. Vous voyez, depuis deux jours après, on est toujours en train de balayer l'argent. Deux jours après le mariage de Davido, on est toujours en train de balayer l'argent. Donc, il n'y a même pas moyen de ramasser ça avec les mains. Tellement c'est beaucoup. Donc, quand je vois souvent les Camerounais ou bien les Ivoiriens ou les Congolais se vanter, on m'a eu le parotage là. Voilà le parotage. Voilà le jet. Voilà le travaillement. Voilà ce qu'on appelle le travaillement. En billet de 100 dollars. Il dit Davido a fait fort. C'est l'un des mariages du siècle. Donc, quand je regarde le mariage, je demande que mon frère, nous là, nous sommes seulement venus au monde accompagner les gens. Hein. Non, mon frère. Nous sommes venus au monde accompagner seulement les gens. Non, sérieusement. Vous-même, regardez le diable, regardez le monsieur là. On dit seulement c'est la poupée qui la main là. C'est au moins 10 000 dollars. 10 000 dollars. Les gens parlaient qu'en billet de 100 dollars. Je dis que, oh, merde, mon frère. C'est pour ça qu'on dit que non, gars. Les gens sont bien nés au monde. Quelqu'un comme Davido comme ça là, mon frère, il va encore souffrir dans sa vie. Regardez celui là, il mange l'argent. Regardez le travail, man. Les Ivoiriens, venez voir le travail, man. Où sont les Camerounais là? Où vendez souvent que vous faites le travail, man? Venez voir ce qu'on appelle le travail au mariage de Davido. C'est le mariage du siècle. Parce que depuis là, je n'ai pas encore vu un mariage en Afrique comme ça. Même pour le mariage de Samuel, on n'était pas comme ça. Même le mariage de Samuel, on n'était pas comme ça. Venez voir le travail, man. Venez voir ce qu'on appelle le travail, man. Non. Les Nigériens, vous avez fait fort. Où sont les Nigériens là? Vous avez fait fort, les gars. Vous avez fait fort, vous voyez. Les 100 dollars, regardez, 100 dollars. C'est bien les 100, c'est pas le Naira, s'il vous plaît. Ce n'est pas le Naira ici, là. On ne parle pas le Naira ici. 100 dollars. C'est là que tu comprends que nous sommes venus au monde accompagner les autres. Oui, nous sommes. Shioma, tu es bénite. Qu'est-ce qui ne s'était pas dit sur des vidéos? Mais elle a supporté. C'est pour ça que vous, les femmes, là, c'est aussi une leçon de vous à vous, les femmes. Pardon, apprenez à supporter vos maris. Apprenez à supporter vos conjoints. Parce que non, dès qu'on va venir là-haut, ton mari a fait ci, ton mari a fait ça, tu vas l'abandonner. On n'a pas dit quoi de Davido. On a tout dit de Davido. Non, Davido a trempé, Davido est ceci, mais elle est restée. Voilà pour aujourd'hui, elle a eu sa récompense. Merci beaucoup. Shioma. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier,
avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel. 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.